Bonjour la famille. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Tout bouge, tout va à merveille ici. Et c'est encore John Zoko des États-Unis. Comme je vous l'avais dit, je vais faire récemment des vidéos pour toujours éclaircir et pour aider aussi mes jeunes frères à réaliser leurs rêves. Pour ceux vraiment qui veulent vraiment immigrer vers les États-Unis, voilà. Je vous prie de vous abonner, de liker la vidéo et de partager. Parce que la vidéo va aider plein de personnes. Voilà. Tu sais, dans la vie, quand tu veux quelque chose, c'est toi-même tu fais tes propres recherches, au fait. Voilà. Toi-même, tu fais tes propres recherches. C'est pour cela que YouTube existe. C'est pour cela qu'il y a des personnes de bonne foi, comme moi et comme d'autres personnes, font des vidéos pour éclaircir des jeunes frères, des jeunes sœurs à réaliser leurs rêves. Voilà. Alors, nous sommes ici aux États-Unis. Précisément, je suis à New Jersey. Actuellement, je suis à Downtown Newark, Penn Station. Voilà. Je suis dans un petit espace à Burger King pour prendre un burger et du jus. Voilà. Je vous invite. Bon, ce matin, je viens avec un message de bonne nouvelle, on peut le dire. Voilà, concernant tous ceux qui veulent immigrer vers les États-Unis et ceux de la développerie. Il y a plusieurs moyens d'immigrer vers les États-Unis. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs étapes. Voilà, mais ce que moi je sais, ce que je sais un peu, c'est la développerie. Et pour moi, la développerie est le moyen le plus sûr d'immigrer aux États-Unis et être légal. C'est-à-dire vivre, étudier, travailler aux États-Unis, avoir des enfants, faire votre vie en tant que résident permanent. C'est-à-dire, tu es comme un Américain, voilà, seulement que tu n'as pas la nationalité. Et ce qui est bon, après 5 ans, tu peux appliquer pour avoir la nationalité. Voilà. Donc, pour moi, la développerie est le moyen le plus sûr et le moyen le plus impeccable et le moyen le plus simple à venir aux États-Unis. Donc, pour tous ceux qui veulent vraiment immigrer et tous ceux qui sont des battants, qui veulent vraiment quelque chose de leur vie, je vous prie à vous abonner. Regardez la vidéo. Il ne s'agit pas de regarder la vidéo et de ne pas vous abonner. Voilà. Parce que tu sais, si ça t'intéresse, quelque chose qui te tient à cœur, voilà, tu fais tes recherches. Tu fais tes recherches, tu écoutes, tu apprends et tu gagnes. C'est comme ça, moi-même, avant que je ne vienne ici, je ne savais rien de la développerie. Et lorsque j'ai appris que j'ai été sélectionné, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à aller sur YouTube, regarder des YouTubeurs, vous comprenez, pour éventuellement connaître les règles du jeu. Parce que c'est vrai, c'est une chance. Mais si tu n'as pas bien pris les règles, tu n'as pas bien respecté les règles, tu peux être disqualifié et tu perds ta chance, tu perds cette grâce-là. Voilà. Donc, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous. Je vous demande un challenge. Je vous demande de... Actuellement, j'ai besoin d'au moins 100 abonnés. Voilà. Vous regardez les vidéos. Je vous prie de vous abonner en retour. Voilà. Ça ne coûte rien. C'est juste la... Le petit notification, là, pour d'abonnement, là. Voilà. Vous cliquez dessus. Subscribe. Abonnez. Vous vous abonnez. Et vous cliquez encore dessus pour notifier, pour recevoir toutes les vidéos que je vais faire. Voilà. Donc, je vous prie de vous abonner. Voilà, abonnez-vous. Donc, ce matin, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je viens vous parler un peu de la bonne nouvelle qu'il y a concernant tous les dévices du monde. Présentement, nous sommes à... Bientôt, nous sommes à la DV 2023 qui va bientôt commencer pour les inscriptions. Pour l'instant, il y a des nouveaux gagnants de la DV 2022 et il y a des gagnants aussi de la DV 2021, les gagnants de la DV 2020 qui ont été beaucoup affectés par cette crise sanitaire. Mais ce matin, en un premier point de la DV 2020, je viens là vous dire que le juge Meta, celui qui a pris le dossier pour aller en justice, pourquoi annuler le rêve des gens. Voilà, il a gardé 9095 visas.
à ceux de la DV 2020 qui n'ont pas encore reçu l'interview, qui n'ont encore rien reçu. Ne vous inquiétez pas, le projet est toujours en justice et sachez que les 9095 visas seront distribués. Voilà, seront distribués. Je vous conseille de vous préparer physiquement, moralement, financièrement. Voilà, parce que le projet est toujours en cours et je pense que le 29 septembre, je pense que le 29 septembre, il y aura une suite à ça. Et aussi pour la DV 2021, le juge Meta a ordonné que toute ambassade règle les cas de la DV 2021 afin de distribuer les visas. C'est-à-dire, toutes les ambassades qui avaient stoppé la distribution des visas, les interviews, reprennent le travail avant le 30 septembre. C'est-à-dire avant la fin de l'année fiscale, avant la fin du mois. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc c'est-à-dire que dans ces temps, d'autres même ont déjà commencé les interviews. Voilà. Avant le 30 septembre, il a ordonné à toutes les ambassades de travailler, de régler ceux-là qui n'ont pas encore passé leur interview, afin qu'ils passent leur interview. Voilà, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et je souhaite bonne chance à tous ceux-là qui sont présentement dans les salles d'entretien, d'interview, en train de passer leur interview pour réaliser leur rêve et de venir vivre, travailler, étudier aux États-Unis. Voilà. Ici, c'est bien. Ici, c'est le travail, c'est la vie, au fait. Voilà. Donc, du coup, j'encourage tous mes frères et sœurs à toujours participer à la DV Loterie et à toujours se cultiver, regarder des vidéos, voilà, pour s'orienter, pour mieux s'orienter. DV 2020, ne vous inquiétez pas. Peu importe le temps que ça va prendre, soyez juste patient, fort moralement. Un jour, la situation va se décanter. Tout compte fait, ça ne peut pas être annulé. Voilà, donc soyez sereins. Maintenant, pour la DV 2022, les nouveaux, voilà, vous êtes à l'honneur, vous êtes à la page. Donc, suivez très bien cette vidéo. Lorsque tu étais sélectionné, c'est bien beau. Mais le plus dur, c'est de respecter maintenant la procédure jusqu'au jour de ton interview. C'est simple. C'est simple. Une fois que tu as reçu le mail pour dire que tu as été sélectionné, voilà, tu vas recevoir aussi un mail qui va t'envoyer un mail du KCC pour te dire voici les documents que tu dois envoyer. Les différents documents que tu dois envoyer au KCC. Eux-mêmes, ils vont mettre leur adresse email sur lequel tu vas les envoyer. Tu vas envoyer tes documents. Voilà. De la façon, ils vous ont demandé dans la vidéo et dans la photo, dans le mail, comment envoyer les documents. C'est de cette façon que vous devez envoyer les documents. Voilà. C'est de cette façon que vous devez envoyer les documents. Donc, vous devez bien respecter les consignes. Voici un point aussi qui est très important. Celui qui respecte les consignes recevra vite sa lettre d'interview. C'est-à-dire, tu envoies bien tes documents dans l'ordre que le KCC a demandé. Tu seras vite programmé pour ton interview. Tu envoies mal, ton dossier retarde. Donc, il faut bien suivre. DV 2022, suivez bien ce qu'il faut envoyer. Ne jouez pas avec ça, c'est votre vie. Si vous avez reçu votre green card, vous venez aux États-Unis ici. Vous êtes libre, vous pouvez partir partout dans le monde. Vous pouvez partir partout dans le monde. Vous pouvez même retourner dans votre pays. Faire les allers-retours, gérer vos business, continuer vos mêmes vies. C'est une grâce que Dieu vous donne. Donc vous ne devez pas négliger ça. Voilà. Donc DV 2022. Voici ça. Après avoir été sélectionné, il y a la procédure à suivre. Tu dois te préparer financièrement, réunir tous tes documents. Voilà, parce qu'il y a la visite médicale à faire et il y a le droit d'entretien aussi à faire, à payer. Voilà. Le droit d'entretien, c'est $330. La visite médicale, ça dépend de chaque pays. Sinon, pour le droit d'entretien, c'est $330. Donc, faites la conversion de votre monnaie en dollars pour savoir le prix que ça fait en votre différente monnaie. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Parce que présentement, là, je sais qu'il y a des gars même de la DV 2022
qui ont commencé déjà leurs interviews. Voilà. Et ceux aussi de la DV 2021, les trucs se sont débloqués. Donc, d'ici la fin de septembre, plein auront leur visa. Et je vous donne un conseil. Si vous avez votre visa, dans les 3 jours qui suivent, prenez votre vol. Arrangez-vous à prendre votre vol. Là, vous êtes libéré. Arrivez ici, vous aurez des enveloppes jaunes. Arrivez ici, vous donnez les enveloppes jaunes à l'immigration. Après ça, vous êtes libéré. Voilà. Donc, DV 2022, voici ce qu'il faut. Vous devez avoir des sponsors. Voilà. Vous qui avez été sélectionné là, vous devez avoir des sponsors. Vous devez avoir des sponsors. Un sponsor, c'est quoi? C'est celui qui vit aux États-Unis depuis peut-être 2 ou 3 ans, qui travaille, qui peut vous prendre en charge, qui a des preuves, qui peut vous prendre en charge. C'est ça, on dit un sponsor. Voilà. Peut-être qu'il a sa maison en son nom aux États-Unis ici. Il a son relevé bancaire qui est bien, qui montre qu'il travaille, qu'il est bien. Voilà. C'est ceux-là, on dit des sponsors. Des gens qui peuvent qui ont des preuves pour montrer qu'ils peuvent vous prendre en charge. C'est obligatoire. C'est obligatoire parce que tes 3 premiers mois, tu seras avec ton sponsor. Tes 3 premiers mois. Donc du coup, c'est obligatoire. Arrangez-vous à avoir vos sponsors. Sinon, vous serez disqualifié. Et les sponsors ont des documents qu'ils doivent vous envoyer. Donc dès maintenant, si vous savez que vous avez été sélectionné, demandez les documents qu'il faut. Je pense que dans le mail que le KCC va vous envoyer, tout cela sera écrit. Donc suivez bien les choses à la lettre. Car c'est votre vie. À l'ambassade, j'ai toujours dit que l'entretien ne dure pas. Tu as bien suivi tes trucs, arrivé à l'ambassade, on te demande tes documents, tu donnes. On te pose 2 ou 3 questions. Terminé, tu as ton visa, ta vie est paisible. Tu sais que tu peux venir aux États-Unis, retourner dans ton pays comme de rien n'était. C'est toujours la même vie qui continue, mais seulement que tes opportunités se sont agrandies. Parce que maintenant, tu peux venir aux États-Unis, voyager comme tu veux. Pas de limite si tu as ta green card. C'est pour cela le moyen le plus facile et le plus simple, c'est la DV Loterie. Simple, suivez seulement les choses à la lettre. C'est pour cela que vous devez vous informer. Parce que quand on veut réaliser un rêve, c'est pas quelqu'un qui va taper votre main, c'est vous-même. Faites vos recherches. Voilà, il y a YouTube qui est là. Il y a des YouTubeurs qui sont là. Regardez une vidéo. Comment suivre les trucs à la lettre. Hier, j'ai fait une vidéo pour montrer comment s'inscrire soi-même. C'est simple. Maintenant, j'ai dit, je vais faire un tutoriel si les inscriptions commencent. Pour vous montrer comment s'inscrire. C'est très simple. Vous pouvez réaliser vos rêves par vous-même, vos efforts, par vous-même, vos recherches, par vous-même, votre détermination. Moi, j'ai jamais rien su de la DV Loterie. Mais c'est une chance qui est apparue dans ma vie et j'ai saisi cette opportunité. J'ai saisi cette opportunité. Parce que c'est un truc, c'est vrai, mais c'est très sensible. Parce que tu peux perdre ta chance. Parce que tu n'as pas respecté les dossiers, tu n'as pas fait tes trucs à temps. Donc, si tu sais que tu as été sélectionné, arrange-toi à avoir tes documents à jour. Ton casier judiciaire qui est valable 6 mois. C'est-à-dire, si tu dois passer ton interview aujourd'hui, ton casier judiciaire doit être valable. Ça ne doit pas expirer. Voilà, ça ne doit pas être expiré. Au moins 3 mois ou bien 6 mois, ça ne doit pas être expiré. C'est-à-dire, tu as ton casier judiciaire vierge et tu vas... Vierge et qui a une longue période, c'est-à-dire 3 mois de plus, qui n'est pas expiré. Voilà, tu vas. Tes experts de naissance, si tu es marié, votre livret de mariage, toutes vos preuves, vos passeports, voilà, l'argent pour le droit d'entretien, tout. Voilà, donc soyez prêts. C'est simple. Vous allez voir que quand vous allez finir votre interview, l'agent consulaire va vous dire « Welcome to the USA ». Donc, vous serez posé, tranquille, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ce message que j'avais à partager avec vous. J'espère que ce message va vous apporter beaucoup de bien. Et soyez sans crainte, les choses commencent à s'améliorer. À vous aussi de faire l'effort, de vous abonner, de regarder les vidéos, d'écouter. Voilà, et de vous abonner aussi, voilà, parce que moi je suis un youtubeur, c'est maintenant que je veux me lancer dans la chose et j'ai besoin des abonnés.
si j'ai pas des abonnés, ce que je dis, ça apporte des choses aux gens. C'est pas que je parle comme cela, mais ça aide des gens. Bon, imagine pour quelqu'un qui n'a aucune notion de la chose et qui aimerait participer à la DV Loterie ou bien qui a été sélectionné, qui connaît pas comment la procédure est. Pas des vidéos, il peut s'en sortir. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé des vidéos des gens. Jusqu'aujourd'hui, malgré qu'on était dans la crise sanitaire, coronavirus, c'était dur, toutes les frontières étaient fermées. Mais j'ai regardé des vidéos des gens qui m'ont donné de l'espoir, qui m'ont donné des idées ou bien des trucs pour ne même pas avoir de rire sur mes documents lors de mon interview. Et lorsque la chance a sonné, ma lettre est venue, tout. Vous voyez un peu, donc c'est pour cela qu'on fait des vidéos pour vous aider. En retour, abonnez-vous, likez la vidéo, tu t'abonnes là, tu n'as pas enlevé 5 francs dans ton argent, ça ne va rien te faire. Abonne-toi. Hein? La vidéo, même si ça ne vous intéresse pas, mais vous pouvez partager, ça peut aider des gens. Nous sommes des milliards, on est des milliards dans le monde. Voilà. Si toi, ça ne t'arrange pas, ça peut aider d'autres personnes. Donc, partage la vidéo, like la vidéo, abonne-toi. Voilà. On va parler de plein de trucs. Vous comprenez? La DV Loterie est le moyen le plus simple et efficace à être un résident permanent aux États-Unis. Voilà. Donc, je vous invite à toujours participer, à suivre les vidéos, à être fort. Voilà. Parce que c'est ça. La chance arrive une seule fois dans la vie. Et lorsque ça se présente, saisis ta chance. Saisis ta chance. Il n'y a pas deux chances. Saisis ta chance. Si ton histoire se passe par la DV Loterie, c'est que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Donc saisis ta chance. Saisis ta chance. Ne dis pas que j'ai joué à la DV Loterie, donc je m'informe pas, je regarde pas les vidéos. Je suis là comme ça. Bon, tu es là comme ça. Et le jour on te dit, bon, viens. Tu sais même pas quoi envoyer. Tu connais pas tes documents. Hein? Arrêtez aussi de vous confier aux gens comme cela. Il y a d'autres qui donnent leur mot de passe, leur code, leur case number, leur... C'est pas bon parce que il y a des personnes, vous connaissez pas le cœur de chacun. C'est pour cela que ton truc doit être personnel au fait. Surtout ce niveau-là, ça doit être personnel. Pour la DV Loterie, ça doit être personnel. Tes numéros, tes contacts, tout. Tes codes, ton case number, tout. Tout doit être personnel. Ton Gmail, tout doit être personnel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça, c'est tellement simple. Soyez juste focus, concentré, et vous allez voir que tout va aller pour le mieux. Voilà. Donc, j'espère que mes vidéos, vous les suivez, vous les regardez. J'espère que ça vous apporte quelque chose parce que c'est mon objectif. Je veux que mes vidéos vous apportent quelque chose dans votre vie. Voilà. Dans votre projet de développement d'immigration vers les États-Unis. Voilà, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Pour vous encourager aussi. Donc, mes amis, c'est encore John Zoko des États-Unis. Je vous prie de vous abonner. Donc, comme je l'ai dit, c'est une bonne nouvelle pour tous les devises du monde. La DV 2020, 9095 visas réservés, sera donnée forcément. Ne vous inquiétez pas. Ça sera donné. Voilà, parce que c'est pas de votre faute, c'est pas de la faute de quelqu'un. Dieu merci, il y a un juge qui est là, le juge Meta, qui se charge de ça. Ne vous inquiétez pas. Nous-mêmes, on était avec le juge Meta, c'est grâce à lui que nous sommes rentrés aux États-Unis. Parce que nous, on avait déjà nos dossiers à l'ambassade. Notre lettre d'interview était déjà programmée, mais la crise a arrêté ça. Donc, lui, il a ordonné que tous ceux qui avaient déjà leur lettre d'interview, qui connaissaient déjà leur date d'interview, passent leur interview avant la fin de septembre. Bon, même chose qui se passe actuellement là. C'était ça pour l'année passée. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous allez venir ici. Ne vous inquiétez pas. Soyez juste prêts. Voilà. Donc, DV 2020, voici ça. DV 2021. Le juge Meta a ordonné que toutes les ambassades travaillent, organisent des appointments, des entretiens, voilà, pour tous ces vainqueurs-là, pour tous ces devises-là, avant la fin du 30 septembre.
Donc, c'est-à-dire tous ceux de la DV 2021 passeront leur examen, leur visite et leur entretien. Donc, planifiez votre entretien, votre visite médicale, tout. Soyez prêts. DV 2022, les nouveaux, suivez bien la procédure qu'il y a à faire. Suivez bien la procédure qu'il y a à faire. Si vous voulez que je vous explique, sinon j'ai des vidéos, vous pouvez partir regarder mes vidéos pour savoir quels documents envoyer au KCC. Il y a déjà les documents et il y a déjà des vidéos. DV 2022, il y a déjà les vidéos. Vous pouvez partir voir sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Regardez, il y a des vidéos, il y a des titres. Quels documents envoyer au KCC? Vous pouvez partir regarder la vidéo. Voilà. C'est pour vous aider. C'est pour vous aider. Donc, DV 2023, les inscriptions, la date n'est pas encore connue. La date n'est pas encore connue. Mais si la date est connue, je vais faire une vidéo pour vous montrer et pour vous dire. Et pour vous dire la date et aussi pour vous montrer comment s'inscrire. Voilà. Donc, c'est ça que j'avais à dire. J'espère que ce message va faire du bien aux gens. Voilà. Je vous prie de liker, de vous abonner massivement. Voilà, parce que tant que j'ai pas assez d'abonnés, je peux pas. Mes vidéos seront un peu trucs à faire de YouTube là. Donc il y a besoin des abonnés. Il y a besoin qu'on like mes vidéos aussi. Voilà. J'espère que mes vidéos aussi apportent du bien aux gens. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis, passez une très bonne journée. Et soyez forts. C'est Dieu qui gère tout. Voilà. Suivez les vidéos. Voilà. C'est un peu ça. Donc, les amis, c'est encore John Zoko des États-Unis. Je suis venu manger un peu de pain, là, un peu de burger. Je sais pas, en profitant maintenant pour vous parler un peu. Donc les amis, c'est un peu ça. Abonnez-vous massivement. On a plein de trucs à se raconter. Abonnez-vous, ça va m'encourager aussi à faire plus de recherches pour vous informer. Quelque chose qui te tient à cœur, tu sais que c'est ta vie. Tu es prêt à tout pour réussir. Voilà, tu es prêt à tout pour réussir. Donc du coup, il y a déjà mon numéro sur ma vidéo précédente. Maintenant, ma page Facebook. Si vous voulez aller regarder mes vidéos sur Facebook, ma page, c'est Johnny Photo. Johnny Photo. J-O-H-N-Y Photo. Johnny Photo. Vous pouvez aller regarder mes vidéos aussi sur Johnny Photo. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les amis. Je vous dis merci. Merci pour ceux-là qui considèrent ce que je fais. Merci pour ceux-là qui regardent mes vidéos. Merci pour ceux-là qui partagent aussi mes vidéos. Voilà. Moi, je ne gagne rien. Avec vous, je ne gagne rien. Mais je veux juste partager mon expérience. Je veux juste partager mon expérience pour aider mes amis aussi. Voilà, pour aider mes amis qui veulent vraiment immigrer vers les États-Unis. Voilà, moi c'est pour cela que je fais cette vidéo-là. Parce que le fait que je me suis fait des recherches, je me suis renseigné sur comment faire ma procédure jusqu'à l'obtention de mon visa, j'ai vraiment appris beaucoup. C'est pour cela que je viens partager maintenant mes expériences avec vous, pour vous aider. Voilà, pour vous aider. Donc là, en retour, vous abonnez-vous et likez ma vidéo, partagez ma vidéo. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si ce, je vous dis, passez une bonne journée. C'était John Zoko des États-Unis. Take care. Yeah.